Et ça, c'est ce que la Bible nous dit. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Amen. Mais pour lui, quand ce qui est parfait sera venu, alors toutes ces choses-là cesseront. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pour ceux qui ne viennent pas au cours de la semaine, nous tenons à leur dire qu'ils loupent de bonnes choses. Qu'il manque de bonnes choses. Vous savez, c'est dans le domaine de la foi qu'on trouve des hommes qui refusent de manger. C'est-à-dire, de manière naturelle, vous n'allez pas trouver des hommes qui refusent de manger. Devant un plat de riz, il va se réjouir. Il va rendre grâce et il va manger. C'est pas ça? Les matins, on est content de prendre le petit déjeuner. À midi, on prend le repas du midi. Le soir, on prend, quelquefois même, on prend le goûter. Avant le repas de la nuit. Mais pour notre âme, et c'est ce qui est étonnant, c'est que des hommes ne trouvent pas le temps de venir pour restaurer leur âme. Et c'est ce qui est bizarre. Bien aimé, le corps tomberait un jour en poussière. Mais seulement là, elle sera qualifiée par le Seigneur ou rejetée par le Seigneur. C'est pourquoi la Bible a dit de craindre plutôt celui qui peut et détruire le corps et l'âme. Sinon, le corps, là, frère, c'est comme le corps du pain. Comme on met le croyant dans le tombeau, là, c'est comme ça qu'on met le pain dans le tombeau. Le corps du croyant, comme du pain, retourne à la poussière. Ça, c'est quelque chose de normal. Et Ecclésiaste le dit. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de supériorité de l'homme sur la bête. Parce que, prenez la bête, n'importe quel des animaux. Un chien qui meurt, qui se décompose. Laissez le temps s'écouler et venez voir après. Vous allez voir un squelette et le sable. C'est la même chose avec l'homme. Alléluia. Mais bien aimé, ce qui est un privilège pour le croyant, c'est que le Seigneur nous promet une résurrection. Oui, bien aimé. Une résurrection pour une vie éternelle. Mais bien aimé, si tu n'as pas la parole dans ton cœur, tu vas aspirer à quelle éternité? Une éternité sans parole de Dieu, ça n'existe pas. C'est pourquoi la Bible nous dit que de recevoir avec douceur la parole de Dieu plantée dans notre cœur, il y a la puissance pour sauver nos âmes. Il n'y a que la parole de Dieu. Le pouvoir pour te transformer. Et le pouvoir qui nous communique la vie, c'est la parole, frère. S'il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas d'éternité. En elle était la vie, c'est pas ça. Et la vie était la lumière des hommes. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Alors le dimanche passé, notre frère, je crois, Arsène, lui qui a prêché, n'est-ce pas? Je pense que le dimanche, c'est lui qui a prêché. Ou suis-passé? Suis-passé. Oui, le dimanche passé, notre frère, le pasteur, a fait un tour d'horizon. N'est-ce pas? Il a fait un tour d'horizon. Il a exhorté les croyants sur, vous voyez, les différentes tendances qui prévalent au milieu du message, la mise en garde, des éclaircissements au niveau de l'antichrist, alléluia, de l'homme du péché, les doctrines qui pullulent, qui sont diverses et variées, mais le croyant doit garder son équilibre à l'intérieur de la parole du Seigneur. Alléluia. Et notre frère, je crois le frère Joël, nous a donné aussi un bon message. La sémence, vous voyez, des fils de Dieu, notre identification. Et pour cela, il a pris le passage d'Ésaïe, le chapitre 8. Le Seigneur dit de nous, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. N'est-ce pas? Nous sommes un signe, un présage.
Alléluia. Le croyant doit être différent. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le ministre de Dieu, le frère Florian, le vendredi, a aussi continué dans la même lancée. Alléluia. Quand on est croyant, nous devrions bien marcher pour honorer et glorifier le nom du Seigneur. Il a parlé de l'amour. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et ça, c'est ce que la Bible dit. Si vous lisez le livre de Deutéronome, le chapitre 6, c'est à l'intérieur que la disposition a été donnée au peuple d'Israël. Le Seigneur veut que ce soit ici. Quelquefois, nous mettons toute notre force et toute notre énergie à faire certains travaux qui sont du domaine, vous voyez, de la vie. C'est de la même manière que le Seigneur veut que nous mettions toute notre force et toute notre énergie pour ce qui regarde à l'âme. Il faut l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Et je crois que dans les évangiles, il a ajouté un autre mot. Il a dit, et tu me serviras de cela. Alléluia. Que donc le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre au livre dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43. Et nous allons lire quelque chose. Ésaïe 43. Je vais donc lire la parole de Dieu. À partir du verset 1er. Il a dit, rends-moi justice aux Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide. Qu'elle me conduise à la montagne sainte et à tes demeures. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. C'est sur le chapitre 43, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et j'ai tiré le sujet à partir du verset 3. Envoie ta lumière et ta vérité. Vous savez, je vais plus parler un peu de vérité. Pour ceux qui ont la version d'Abi, le verset 3, il est dit ainsi, envoie ta lumière et ta vérité. Elles me conduiront, elles m'amèneront à ta montagne sainte et à tes demeures. Pour ceux qui ont la version de la Bible, c'est ainsi qu'il est employé. Donc, il y a eu, vous voyez, un jeu de mots au sujet de fidélité et de vérité. Alléluia. La fidélité du Seigneur fait toujours allusion à la vérité. Amen. On est fidèle au Seigneur lorsqu'on demeure dans la vérité. Alléluia. Et si le livre de Somme lui-même, ce sont des paroles chantées. Ce sont des paroles accompagnées par des instruments de musique. Voilà pourquoi on parle de Somme, le livre des Sommes. Donc ce sont des chants. Pour nous croyants, nous savons une chose. C'est que les chants ne se limitent pas seulement au maniement des instruments. Mais ce sont les paroles qui donnent la force au chant. Parce que, bien aimé, on peut bien manipuler les instruments de musique et cependant chanter des chants qui n'ont pas de vie. Mais lorsque les chants ou les paroles sont inspirés, et que la musique aussi accompagne, alors c'est un bon.
Ce que Dieu veut, ce sont des paroles inspirées. Des paroles qui transportent. Des paroles qui interpellent. Parce que c'est ça aussi. Quand on chante les cœurs, alors on est transporté. Et nous le disons souvent, frères bien-aimés, les chants inspirés par le Saint-Esprit ne sont jamais des chants dépassés. Jamais. Ce sont toujours des chants d'actualité. Même le temps n'influence pas ces chants. Pourquoi? Parce que ce sont des chants inspirés par le Saint-Esprit, donnés par l'Esprit de Dieu aux enfants du Seigneur. Et alors, à chaque temps, à chaque époque, nous sommes toujours confrontés aux mêmes choses, hein? C'est pas ça? Paul a dit qu'il voudrait que nous sachions que les mêmes souffrances que nous vivons là sont imposées à nos frères qui sont dans le monde. Nous traversons les mêmes difficultés. Souvent, c'est à des degrés variés, selon la foi des individus. Mais nous traversons toujours les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Alléluia. C'est cela, frère. Et ce sont les difficultés liées, soit dans la vie, ainsi de suite. Alléluia. C'est vrai, bien-aimé. Quelquefois, le croyant, il éprouve aussi de la faim. Mais le païen aussi éprouve de la faim. Alléluia. Quelquefois, le croyant cherche de l'argent, voire pour l'hospitalisation de sa femme. Mais le païen aussi, il cherche de l'argent pour l'hospitalisation de sa femme. Alléluia. Ce sont des choses qui sont liées à la vie terrestre. La parole du Seigneur est sortie dans le livre de Genèse, et c'est cette parole-là qui continue de s'accomplir. La terre, elle est maudite. C'est pas ça? Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se charge de la réhabilité. Et nous sommes dans le processus. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. La terre a connu son baptême d'eau. Elle a connu son baptême de sang. Et elle attend aujourd'hui son baptême de feu. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Romains. Elle a été assujettie non de son propre chef, mais par celui-là qui l'a assujettie, c'est-à-dire le diable. Et elle attend elle aussi de pouvoir jouir de la liberté des fils et des filles de Dieu. C'est vrai, frère. Et un jour, ces choses-là se produisent. C'est le témoignage de Dieu. Alors, les croyants est en marche pour le ciel. Nous allons au ciel. Vous savez que le chemin du sage, du saint, la Bible nous dit ça mène vers où? Vers l'eau. Ça, c'est ce que le Proverbe dit. Alors, nous allons pour le ciel. Et allant au ciel, il y a des réalités. Le chemin du ciel, ce n'est pas où on se réveille un beau matin et puis on est là-bas. Non. On travaille pour y aller. On s'assied de beaucoup de choses pour la vie. C'est ce que la Bible enseigne. Alors, je sais quoi la Bible dit. Envoie ta lumière et ta vérité. Elle me conduira. Elles m'amèneront à ta montagne sainte et à tes demeures. On dira, mais la montagne, c'est aussi le symbole de quoi? Mais la montagne, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que l'Église est comparée à Sion. C'est la montagne de Sion. L'épouse du Seigneur, c'est la Sion. La Sion, ça c'est le royaume, la Jérusalem céleste. Alléluia. Frère bien-aimé, comment pourrais
déjà lu. On va lire quelque chose dans le livre de Psaume, le chapitre 15, au verset 1. Je vais demander à un des administrateurs de m'aider à faire la lecture. Psaume le chapitre 15, à partir du verset 1. Psaume 15, le verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point l'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Amen. Ah. Et le Seigneur, il pose d'abord une question. Lui, frère, qui? Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Alléluia. Quand le bien-aimé frère Tori a voulu prêcher sur l'amour, il a posé la question en demandant qui a l'amour? C'est pas ça? Et les frères ont répondu, nous avons l'amour. Alors le frère a pris maintenant les écritures et il a commencé à lire le principe de l'amour. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. Ah, il fait, là on se rend compte que l'amour là, ce n'est pas la déclaration de la langue. Amen. Mais c'est une vie. Amen. Alléluia. Il dit, ô Éternel, qui se trouvera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Oui, bien-aimé frère. Qui? Alors je dis, Seigneur, comment est-ce que nous pouvons y aller? Vous savez, frère, quelquefois, nous parlons beaucoup de la dénomination. Disons, la dénomination, c'est le mélange de la pensée humaine dans la doctrine du Seigneur. C'est vrai. La dénomination, elle est mauvaise, elle est dangereuse, elle est nuisible pour la foi. C'est vrai, frère. Mais bien aimé, frère, le Seigneur, quand il vient là, il ne s'intéressera pas à la dénomination. Il viendra pour prendre son épouse à lui. Et son épouse, quels sont ceux qui composent son épouse? Quand on fait partie de cette épouse, c'est là où se situe toute la grande question. Donc on peut fustiger la dénomination, ça c'est bien, mais quand je dis bien, est-ce que tu vas partir? Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui est important, frère. Vous savez, on peut connaître tous les mystères, ça c'est bien. On peut dire, mais frère, la semence du serment, oh, la semence du serment, c'est comme ça. On commence depuis le livre de la Genèse. Tu as vu, le serpent de la séduire. Tu comprends cela? Non, ce n'est pas une relation, ce n'est pas une porte, mais c'est une relation sexuelle. Et on commence à détailler. Point par point, en prenant les écritures. Vous savez, le livre de Proverbes dit, au premier verset, au premier chapitre, il est dit que le livre de Proverbes a été donné dans le but de décoder les ennemis. C'est ça le livre de Proverbes. C'est pourquoi nous comprenons au travers du livre de Proverbes que le fruit n'est rien d'autre qu'une relation sexuelle. Parce que le livre de Proverbes le dit, tel est le fruit de la femme adultère. Elle mange, essuie la bouche et dit, je n'ai point fait de mal. Pourtant,
c'est une femme adultère. C'est dans le but de décoder cette pensée et de nous amener à comprendre ce qui s'est passé dans le jardin de Dieu. C'est bien, frère. On peut commencer à parler de la divinité du Seigneur depuis le livre de la Genèse et montrer au travers des Écritures jusqu'au Nouveau Testament que Jésus-Christ n'est rien d'autre que Dieu manifesté dans les corps du chien. Et ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. On peut parler des sceaux, on peut parler des 70 semaines de Daniel, on peut parler des âges de l'Église, on peut parler des fléaux dans les livres d'Apocalypse. Toutes ces choses, c'est bien. Mes frères, ce ne sont pas ces choses qui vont nous conduire au ciel. Amen. Alléluia. Pourtant, dis mes frères, est-ce que nous devons les ignorer? Non, il ne faut pas les ignorer. Il faut les connaître. Parce que le Seigneur a permis la révélation de ces choses pour notre destruction. Mais comprenez, frères, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 3, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour l'enseigner, pour instruire, pour connaître et corriger. Au travers de l'écriture, vous recevez le savoir. Mais à la fin du processus, elle vous rend capable d'accomplir toute votre œuvre. Amen. Et c'est ce qui vous qualifie. Alléluia. Sinon, si on est seulement à un savoir, mon frère, on n'ira nulle part. On sera bourré de connaissances, mais on est cela. Et c'est ce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Paul dit : si j'aime toute la science des mystères, mais je n'ai pas l'amour, Paul dit : je ne suis rien. Alléluia. Et nous avons lu un passage avec, je crois, dans le livre de Daniel, ou un passage en rapport avec Daniel. Le Seigneur dit de Daniel que le diable, c'est ça, est plus, je crois, sage ou intelligent que Daniel. Alléluia. Oui, bien-aimé. Satan aussi, il connaît. Il connaît. Alléluia. Et il pervertit les Écritures. Alléluia. Mais ça ne demeure pas moins, ou ça ne demeure pas de lui, une autre personne que le diable. Alléluia. Connaître, c'est bien, mais pratiquer, c'est ce qu'il y a de meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus l'a dit dans les évangiles, il dit, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est à l'intérieur qu'il y a le bonheur. Et le bonheur véritable. Alors il dit, qui se trouvera dans ta tente, qui demeurera dans ta montagne sainte. Ô Seigneur, je voudrais aller. Je voudrais un jour m'envoler. Aller à ta rencontre. Le Seigneur dit, qui? Qui montera? Alléluia. Maintenant il donne. Ça c'est le concret. Ce ne sont pas de simples paroles, mais ça c'est le concret. Quand tu as l'intérieur, ton cœur est dans l'assurance. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur appelle Abraham, il dit, sois intègre. Alléluia. Amen. Quand il regarde Jean, il dit à Satan, il n'y a pas d'homme qui soit comme lui sur la terre. Quand il regarde le témoignage de Noé, il dit qu'il est parfait. Alléluia. Amen. Quand il rend témoignage de, vous voyez, Enoch, il dit que Enoch a marché avec lui et il n'a point connu la mort. Alléluia. Il rend témoignage d'Abraham, il dit Abraham, c'était mon ami. Alléluia. Il rend témoignage de Moïse, il dit il a été petit diable dans la maison, comme serviteur. Alors, la même déclaration, la même sa parole s'adresse aussi à nous. Il dit celui qui est intègre. Alléluia. Est-ce que nous sommes intègres? Alléluia. Quelquefois, on est dans les beaux rêves. Comme je vois quelqu'un qui disait, quand il chante, dit, nous sommes prédestinés. Ça, on chante aussi. On dit, je suis prédestiné avant la fondation.
Oui, bien-aimé. Quand on est prédestiné, notre vie atteste que nous le sommes. Amen. Alléluia. Mais si nous vivons dans le dérèglement et que nous confessons être prédestinés, mon frère, tu te séduis toi-même. Amen. Tu n'es pas prédestiné. Quand on est prédestiné, notre vie doit pouvoir être un témoignage de notre prédestination. Amen. Les autres doivent pouvoir être un témoignage de notre prédestination. Amen. Oui, bien-aimé. Quand le Seigneur il regarde, alors il dit, mais Satan, est-ce que tu le vois? Tu vois telle personne là-bas? Ah oui, là, lui, c'est mon fils. C'est comme ça que le prophète a prêché sur, vous voyez, l'adoption. Oui, bien-aimé. Quand le Seigneur décide de nous adopter, n'est-ce pas? Nous sommes des fils et filles de Dieu, il nous donne maintenant notre position. Alors, le prophète dit, quand le Seigneur le fait avec nous, alors le diable, il est là-bas. Et puis le Seigneur dit, mais Satan, tu vois telle personne? Alléluia. Mais il dit, imaginez que ce soit une personne qui ne soit pas dans la bonne disposition. Du haut du ciel, il fait rôle du Seigneur. Lui, bien aimé. On dit, celui qui marche dans l'intégrité, il faut être intègre. Alléluia. Il dit à Josué, si tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, si tu demeures dans le premier de la parole, il faut être intègre. Alors il dit qui pratique la justice. Ah, frère bien-aimé. Mais en réalité, frère, est-ce que nous-mêmes, de par notre propre force, nous pouvons arriver à quelque chose? Y a-t-il une personne qui, de par sa propre force, est arrivée à un bon résultat? Frère, prenez une personne qui est tourmentée par un esprit quelconque. Il prend la résolution et dit, je ne le ferai plus. Oui, un jour, deux jours, trois jours, il le tombe. Il est attristé, il dit, je prends la résolution, je ne le ferai plus. Une semaine, un mois, il le tombe. Alléluia. Ce n'est pas notre grande force. Et là, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes assez forts. Non. C'est la grâce de Dieu. Même la volonté, elle est suscitée par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu, il fait naître en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Il nous donne la volonté aussi, la capacité à accomplir. Alléluia. Tout vient du Seigneur. C'est pourquoi quelque part la Bible nous dit que Dieu a d'abord disposé, prédisposé toute bonne œuvre, afin que nous puissions les accomplir. Quand nous comprenons cette pensée, nous réalisons que ce que nous faisons de bien, ce n'est pas parce que nous sommes assez forts, mais c'est parce que le Seigneur au préalable a disposé les choses ainsi. Et ça, c'est la réalité. Oui, bien aimé. Regardez, même lorsque le Seigneur a parlé de prédestination, il dit des deux fils. C'est-à-dire, Jacob et son frère, et Esaü, je crois bien. Il dit, avant même qu'il ne soit né, alléluia, amen, qu'il n'ait posé un quelconque acte, qu'il soit bien ou mauvais, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé ceci. Il dit, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Esaü. Et on dit, c'est afin que le dessein de Dieu soit manifesté. Quand on dit pour autant, est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? Non, bien aimé. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Bien aimé. Quand Esaü est né en tant que premier-né. C'est pas ça? Même Jacob, là, quand il a lutté le droit de naître, il a tenu le talon de son frère, mais son frère est sorti le premier. Aujourd'hui, on dit les jumeaux. Quand quelqu'un fait des jumeaux, on dit non, c'est le second là qui est le plus bien. Non, 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 c'est celui qui vient premier qui est le plus bien. Alléluia. Alors, dans la réalité, les faits, Esaü était l'aîné.
que le Seigneur est juste quand il parle, c'est que le droit de naître là, ça n'a jamais, vous voyez, préoccupé Isaïe. C'est lui qui a méprisé le droit de naître. Devant lui-même, là qu'il a posé, il a montré qu'il n'était pas appelé à cela. Ce n'était pas pour lui. C'est pourquoi il a pris le courage sur lui de le prendre à la mort. Alléluia. Alors, notre Seigneur, il sait toutes choses. Avant même que nous posions nos actes, le Seigneur, il le sait. Amen. Le Seigneur savait que Isaïe allait rejeter ça. Le Seigneur savait que le droit de naître c'était pour Jacob. Et c'est ce qui s'est passé, frère. Alors, il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, il faut être juste. Mais bien-aimés, nous sommes justifiés par la foi. Oui, bien-aimés, c'est par la foi. C'est pourquoi nous aimons ce passage de l'Écriture dans le livre de Romains, je crois, le chapitre 5, qui nous dit que nous sommes justifiés par la foi. Dieu fait de nous des hommes justes, frères. Et quand le prophète a voulu parler pour montrer l'état de la justification, frère, il me dit, quand Christ nous a rachetés, qu'il nous a retirés du bourbier du péché, il nous a blanchis au moyen de son sang. Il nous a pris et nous a placés dans la position de l'éternel. Quand il nous regarde, il dit, vous ne m'avez jamais rien fait. Tu es juste, tu es purifié, ton iniquité est ôtée. Alléluia. Alors il fait de nous quoi? Des hommes justes. Amen. Alléluia. Maintenant, il nous demande de marcher dans la justice. Il faut être intègre. Il faut pratiquer la justice. Vous voyez, pratiquer la justice, c'est en faire sa vie quotidienne. Quelqu'un qui pratique, c'est celui-là qui le fait couramment. Pratiquer la justice, ce n'est pas faire un jour et ne pas le faire un mois. Et le faire un jour et ne pas le faire 6 mois. Non. Mais pratiquer, c'est avoir l'habitude de le faire. Aujourd'hui, je suis à l'intérieur. Demain, je suis à l'intérieur. Dans 10 ans, je suis à l'intérieur. Alléluia. Alors on pratique. Qui est qui dit la vérité selon son cœur? Alléluia. La bonne disposition dans notre cœur, il faut dire la vérité. Mais bien aimé, si on n'a pas la vérité dans le cœur, comment pouvons-nous dire la vérité? Alléluia. Il faut d'abord avoir la parole dans le cœur. Et maintenant, la dire à son projet. Dans le livre de Pierre, la Bible nous dit, il a purifié nos cœurs par l'obéissance à la vérité. Pour que nous ayons un amour fraternel qui soit sincère, nous devons nous aimer ardemment les uns les autres. Et dans les Épîtres, il est encore dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. La vérité. Il faut cette vérité dans notre cœur. Il faut donc la dire. Alléluia. Il faut la dire. Et ça, c'est important. Dire la vérité. Selon son cœur. Alléluia. Il ne calomnie point avec sa langue. Ah oui, frère. C'est la même langue que nous prenons pour bénir le Seigneur. Mais c'est la même langue que nous prenons pour maudire les hommes qui sont faits à son cœur. Ça, c'est ce que le livre de Jean nous dit. Et Jacques dit, mais frère, est-ce que une source peut faire sortir en même temps l'eau douce et l'eau amère? Ah oui, frère. Soit c'est l'eau douce, ou soit c'est l'eau amère. Mais ce n'est jamais les deux en même temps. Oh bien-aimé, nous devons pouvoir avoir la maîtrise de la langue.
Jacques dit, c'est un petit membre, un tout petit élément qui est dans notre bouche. Mes frères, si on vous sectionne la langue, vous ne parlez plus. Quand vous voyez une soeur et vous allez dire, je t'aime, c'est parce qu'il y a une langue. Sinon, vous allez faire des gestes. Alléluia. Mais le Seigneur nous donne la capacité à parler, à affirmer nos sentiments au moyen de la langue. Mais c'est avec la même langue qu'on va pour dénigrer son prochain. C'est avec la même langue qu'on va pour rendre de faux témoignages sur son prochain. C'est avec la même langue. C'est par la langue que l'on fait la guerre. Alléluia. Puis frère, on dit une parole de placer l'autre énervé et puis on sacré les conflits. Même un homme qui veut commettre adultère s'arrête la langue. Parce que pour dire ses sentiments à l'égard de la femme de son projet, il faut que la langue la tourne dans la bouche. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors la Bible nous dit, il ne calomne point avec sa langue. Alléluia. Il y en a comme ça qui sont experts. Tout le temps que Dieu leur donne, et ils prennent leur énergie pour aller chez les gens pour parler des autres. Et ce qui est dommage, c'est que celui qui le fait là, il ne veut pas qu'on lui fasse ça. Oui, bien aimé. Et quelquefois, on se pose la question, mais ça coûte quoi aux hommes de s'asseoir un moment et de se taire? Quand on fait comme ça, est-ce qu'on a un problème? Ça ne provoque pas des maladies à ce qu'on sache. Alors les hommes doivent savoir fermer au moins la bouche. Un homme qui parle tout le temps, il a un problème. Il doit pouvoir se taire un moment. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle. Un moment donné, on se taire aussi. On réfléchit et on écoute les autres. Alléluia. Oui, bien aimé. Même les médias, ils informent et ils sont informés. Alors la Bible dit, et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Alléluia. Seigneur, je vais aller au ciel. Mais est-ce que tu fais du mal à ton semblable? Jésus dit, si tu le fais, tu restes. Oui, bien-aimé. Il ne fait pas du mal à son semblable, c'est-à-dire à son prochain, celui qui est comme lui. Quand on aime son prochain, c'est pourquoi la Bible nous dit, toute la loi est enfermée dans les deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et puis aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible nous dit, de ces deux lois-là dépendent, vous voyez, je vois que ces lois dépendent. Je vois les prophètes ici. La loi est le prophète. Et c'est le commandement. Alors nous devons pratiquer la parole du Seigneur. Aimer et ne point faire de mal à notre Seigneur. Parce que quand on n'aime pas, c'est là qu'on fait du mal. Mais quand on aime, on s'abstient. Pourquoi? Parce qu'on aime. Remarquez que dans le livre de Proverbes, la Bible nous dit que la femme vertueuse a fait du bien à son mari. C'est pas ça. Tous les jours, vous savez. Mais c'est parce qu'elle aime. Qu'elle n'aime pas, elle va te faire souffrir. Et vous voyez, c'est ça aussi le secret pour ceux qui veulent bâtir un foyer. Prends une femme qui t'aime et que tu aimes. C'est en cela que lorsqu'il y a des problèmes, vous pourrez surmonter les problèmes. Mais si vous prenez une femme qui ne vous aime pas, la petite étincelle va embraser toute la maison. Pourquoi? Parce que vous-même, votre présence à ce côté, crée un problème. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors la Bible nous dit, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ah oui, c'est bien. Jeter l'opprobre sur son prochain. Oui, frère bien-aimé, il y en a comme ça qui jamais ne se remettent en cause. Une chose se produit, c'est les autres. Ce n'est jamais lui.
Alléluia. Quand c'est bon, c'est lui. Mais quand c'est mauvais, ce sont les autres. Non, bien-aimé. Il ne jette pas le propre sur son prochain. Quelquefois, il faut s'asseoir et puis analyser les choses sérieusement. Et tirer les conclusions les meilleures. Alléluia. Lui, bien-aimé. Et à quelque Jésus-Christ pour mourir à la croix, il a dû prendre tout sur lui. Si Jésus avait voulu regarder dans la réalité, il aurait dit non. Moi, j'ai créé le monde, je vous ai demandé, vous avez fait ce que vous voulez. Le diable vous a arraché, ce n'est plus mon problème. Vous gérez ça. Mais il a regardé, il a dit non. J'ai décidé de ramener ces choses perdues à la maison. Et pour cela, je suis prêt à prêter le prix. Alléluia. La Bible nous dit, ne jette pas le droit sur son bouche. Il regarde avec pitié celui qui est méprisable. Oui, bien-aimé. On ne dit pas de ne pas aimer les autres. Il faut les aimer. Mais il faut aussi haïr le péché. Alléluia. Ce sont les hommes justes qui sont réellement regardés de manière précieuse. Vous savez que la Bible nous dit qu'il y a un homme fidèle qui le trouvera. C'est pas ça. Et quand vous le trouvez, alors vous en faites une protection. Parce que vous savez qu'il est important. Et souvent le pasteur le dit, l'homme n'est pas mesuré à partir de ce qu'il peut apporter de manière financière, non, mais à partir des vertus qu'il dégage. Alléluia. Et notre Seigneur, c'est comme ça qu'il nous regarde. Quand il regarde un homme qui a assez de moyens et qui n'est pas spirituel, il regarde quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui est spirituel, alors du haut du ciel, le Seigneur, il approuve le Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé. C'est seulement ceux qui vivent la sanctification. C'est seulement ceux qui sont pieux qui sont approuvés par le Seigneur. Oui, bien-aimé. Alors la Bible dit, mais il honore ceux qui créent l'éternel. C'est seulement ces personnes-là qui reçoivent l'honneur du Seigneur. Vous voulez avoir les bonnes places? Il faut créer le Seigneur. Quand on nous invite, on a tendance à aller s'asseoir là où les places sont confortables. Mais Jésus dit, lui, il honore celui-là qui le craint. Alléluia. Quand tu ne le crains pas, il ne t'honore pas. Mais quand tu le crains, il dit, je te donne les meilleures places. Alléluia. Et il continue pour dire encore. Il ne se rétracte point quand il fait seulement son bénéfice. Ah oui, bien-aimé. Fait seulement son bénéfice. Je crois que dans la version de la Bible, il est parlé de feu. Oui, bien-aimé. Même quand il fait un feu là, il fait tout pour accomplir. Voilà pourquoi. Nous disons que nous ne croyons pas dans un Dieu où on vient pour casser avec. Non, non, non. Ton oui est ton oui, ton non est ton non. Tout ce qu'on ajoute après, ça vient du malin. On ne dit pas j'étais, et puis après on dit j'ai réfléchi. Il faut réfléchir avant de dire. Alléluia. Quand tu t'es engagé, Dieu dit tu t'es engagé. Pour le Seigneur, Il suppose, si je peux envoyer ce terrain-là, que tu as d'abord réfléchi beaucoup avant de dire. Même les autres qui m'ont dit, avant de parler, vous tournez cette fois sa langue, c'est pas ça, dans sa bouche. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir avant de parler. Une fois que la parole est sortie, c'est comme les gens disent, la parole est libérée. C'est sorti. Pour Dieu, il prend acte. Alléluia. Oui, bien-aimé. Alors la Bible nous dit, il ne se rétracte point, c'est-à-dire il ne fait pas marche en arrière. Non, bien-aimé.
Même un avion, quand il est décollé, il ne peut pas marcher arrière. C'est comme ça aussi avec le feu. Quand il est dit, il est dit. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il y a seulement le Père, n'est-ce pas, qui a le pouvoir de mettre un terme à ça. C'est aussi ce que les Écritures déclarent. S'il fait un serment à son préjudice, c'est-à-dire même s'il fait que cela ne lui est pas favorable, il doit aller jusqu'au bout et au bout. Alléluia. Mais pour autant, ne demande pas de faire des vœux à leur préjudice. Hein. Il faut réfléchir. Et la Bible dit, il n'exige point d'intérêt à son argent. Ah oui, frère. Aujourd'hui, on trouve des hommes comme ça. Ce sont des petits banquiers. Lui, quand il fait un prêt, il attend toujours à recevoir un pouce. Non, frère bien-aimé. Nous ne devrions pas agir de la sorte. Quand on donne un centime à un frère, le frère aussi doit pouvoir réfléchir, se débattre et amener le centime qu'on lui a donné. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Ne devez rien à personne sinon l'amour. Alléluia. Mais il ne faut pas mettre des intérêts. Comme c'est resté chez toi, tu supposes que ça a travaillé chez lui et puis ça doit te revenir avec un plus. Non, non, non. Si tu fais ça, tu vas rester. Ça, c'est le système de Maria qui ne fait qu'enfoncer les fonctionnaires. En Christ, on ne fonctionne pas comme ça. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Ah oui, frère. Allez en justice, vous allez trouver beaucoup de choses comme ça. Il y en a qui sont prêts. Mais vous voyez, dans le domaine du travail, au lieu de donner, il y a quelqu'un qui disait comme ça quelque chose, au lieu de donner l'argent du pauvre là, il refuse de lui donner. Et puis quand il s'en va au commissariat, ce qu'il doit donner aisément au pauvre là, c'est ce qu'il donne au commissariat pour ne pas donner cela au pauvre. Et ça, on ne comprend pas. C'est-à-dire l'argent que tu vas remettre à quelqu'un qui est dans son droit de percevoir, tu lui refuses. Et tout en sachant qu'il a droit, mais pour lui faire mal, il est prêt à donner plus aux policiers pour que l'affaire soit écoutée. Bien aimé, quand le Seigneur regarde, c'est vrai. Aujourd'hui, là, quand beaucoup de choses se passent, il y en a qui disent, je laisse pour moi à Dieu, les hommes ne comprennent pas. Je préfère que l'homme me dise qu'il me laisse, qu'il me dise qu'il laisse pour lui à Dieu. Oui, frère. Là-bas, il n'y a pas d'avocat qui va plaider pour toi. Quand la sentence va tomber, le Seigneur va te dire que tu as fait du mal à comme il le reste. Parce que ce que les hommes ne savent pas, quand on prive quelqu'un de son bien, ce n'est pas seulement lui, mais derrière lui, il y a une épouse, il y a des enfants. Et comme on le dit en Afrique, la famille est tellement nombreuse qu'il y a le père, il y a la mère, et quelquefois même il y a les frères et les sœurs qui comptent souvent sur l'individu pour pouvoir se réaliser. C'est à tout un monde que toi tu fais du mal. Oui, bien aimé. Et il y en a qui sont étonnés de ce qu'ils trouvent toujours des difficultés. Parce que quand lui il crie là, ce n'est pas lui seulement qui crie, mais il y a tout un monde qui crie avec lui. Parce qu'il ne peut plus rien leur apporter. Lui, bien-aimé, il faut être juste. Il faut donner aux hommes ce qui leur revient de droit. Et ça aussi, c'est valable pour les frères qui sont en affaires, qui emploient des hommes. Alléluia. Il faut donner aux hommes ce qui leur revient de droit. Il ne faut pas les garder pour vous. Ce sont des malédictions dans la maison. Alléluia. Quelquefois, on cherche les sorciers au village. Alors qu'on est nous-mêmes nos propres sorciers.
Alors la Bible dit, il n'a fait point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons que la Jérusalem, c'est pour nous. Amen. Dieu dit, voilà comment on doit se comporter. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est un comportement. Dans le livre toujours de Somme, le chapitre 24, je crois bien que verset 1, il est dit, dans l'éternel la terre et ses terres d'enfer, le monde et ceux qui l'habitent. Vous voyez le monde là, le Seigneur dit ça c'est pour lui. Oui, frère bien-aimé, mais regardez l'orgueil des gens. Quand quelqu'un t'emploie, lui il veut se constituer ton Dieu. Oui, bien-aimé, il y a un homme comme ça qui est décédé et il y a un jeune qui me disait, un jour il a appelé quelqu'un et puis il lui a dit, je ne sais pas, je suis ton Dieu. Oui, bien-aimé, quand l'homme mange et qu'il sait qu'il fait du bien aux hommes, il pense qu'il est le Dieu des autres. Mais il n'est même pas lui-même son Dieu. À plus forte raison d'être le Dieu de quelqu'un d'autre. Oui, bien-aimé. Le Seigneur dit la terre là, c'est pour lui. C'est pourquoi le jour où le Seigneur ne veut plus que tu sois, il te dit quitte de là. Et puis tu quittes. La Bible dit dans la mort là, il n'y a pas de vainqueur là-bas. Quand elle frappe et tu t'en vas. Malgré les pleurs, tu t'en vas. Le monde est ce qu'il habite. Quand il a fondé sur les mers et il a fermé sur les fleuves, qui pourrait monter à la montagne de l'Éternel? Ah, la même chose encore est trouvée dans le Amen. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Vous savez que les mains là, ce n'est rien d'autre que les œuvres. Hein. C'est le symbole des œuvres. Il faut que les mains soient pures, alléluia. Les mains soient innocentes. Quand Dieu regarde, le diable, il dit non, il a dit non, moi je déclare qu'il est innocent. Alléluia. C'est pas ça. Quand le diable a commencé à parler de Josué le sacrificateur, le Seigneur a regardé de sa tête et dit, pourquoi tu t'insultes? Laisse-moi là que tu sois arraché du feu. Et puis il dit, ôtez-lui les vêtements sales et donnez-lui les vêtements de tes Alléluia. Nos mains doivent être innocentes. C'est pourquoi c'est avec les mains innocentes que nous élevons les mains vers le ciel pour prier le Seigneur. Ça, c'est ce que Paul a dit. Je veux que les hommes prient en couillant de devant les mains d'un Dieu, des mains qui soient pures. Alléluia. Les mains innocentes. Et en plus de cela, le cœur pur. Alléluia. Les béatitudes ont dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Le cœur là, ça va être. Alléluia. Oui, bien aimé. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. C'est-à-dire qu'il ne fait pas mentir son âme. Ah oui. On veut monter. Les réalités pour monter là, c'est ce que le Seigneur nous présente. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui veut jeûner. Mais jeûner là, c'est pas où on s'assoit le matin en mangeant jusqu'au soir. Hein. Ça, c'est pas le jeûne. Alléluia. On peut se priver de nourriture sans jeûner. C'est vrai que le domaine naturel va dire il a jeûné parce qu'il n'a pas mangé. Oui. Mais pour le Seigneur, ça ne représente pas le jeûne. Alléluia.
Quand on jeûne, le Seigneur a dit, on met en parfume sa tête. C'est pas ça. Et puis, on prie le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, dans Matthieu, dit, ne soyez pas comme les hommes qui veulent jeûner pour montrer aux autres. Mais il dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête ainsi de suite, et ton Père qui voit dans le ciel, lui va te donner. C'est-à-dire que quand on se prive de nourriture, on accompagne par quelque chose en disant d'action. Dans de bonnes dispositions. Et le livre d'Esaïe nous dit, le véritable jeûne, vous pouvez lire ça dans Esaïe, je crois, c'est dans le livre de Esaïe. Le véritable jeûne est détaillé. Les bonnes dispositions pour pouvoir jeûner et attirer la faveur du Seigneur sur soi. Alléluia. Ce n'est pas là où tu parles mal à ton prochain. Alléluia. Voici un frère qui est en jeûne, lui, il fait par là, il fait toute la route. Mais il est en jeûne. Puis, frère, Dieu ne va pas détruire. On te met dans une bonne situation pour parler au Seigneur. Et si tu fais par là avec tout le monde, tu dis tu es en jeûne. Non, tu as décidé le jour-là de ne pas manger. C'est ce qui est réel. Mais tu ne jeûnes pas. Quand tu jeûnes, tu prends des bonnes dispositions. Et puis tu parles à ton Dieu sur le Dieu. Et le Seigneur, il t'écoute. Alléluia. Alors la Bible dit, et tu ne jures pas pour tromper. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent en face de Jacob. Alléluia. Oui, bienvenue. Oh Seigneur, nous voulons monter. Mais monter, c'est suivre le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est le chemin là que le Seigneur nous montre. Tu veux monter? Il dit pour monter, voici le chemin. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous, souvent, on laisse carrément le chemin. Et puis on marche, on dit au Seigneur, on va atteindre la porte. Le Seigneur dit, mais le chemin que tu empruntes là, ce n'est pas mon chemin. Je ne suis pas au bout. Mais on dit, non Seigneur, moi j'ai décidé de marcher comme ça, mais je sais que je vais vers toi. Non. Le Seigneur ne se trouve pas au bout de n'importe quel chemin. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, une voie là, semble être une voie aux hommes. Elle semble être bonne. C'est Proverbe qui le dit. Mais son issue mène vers la mort. Alléluia. Amen. Qui montera là-haut, frère bien-aimé? Oh, celui qui a le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes. Celui qui sait se conduire et rester dans la bonne grâce du Seigneur. Celui-là appartient à faire. Quand on marche ainsi, on est approuvé par le Seigneur. Vous savez, frère, un jour je lisais, je crois, le frère Franck. Il dit, quand Jésus va venir, il ne va pas vous demander si vous connaissez tous les mystères. Non, non, non. Amen. Mais il va vous demander, est-ce que tu es resté dans ce qui est écrit? Alléluia. Tu es resté à l'intérieur? Alléluia. C'est ce qui serait la question. Regardez les vierges folles. Elles sont allées. Oh, tout joyeuses. Mais la Bible nous dit celles qui étaient prêtes sont entrées. Soyez prêtes. Si on n'est pas prêt, on est ici. Mais quand on est prêt, on ira et on se réjouira. Et ce sera la joie. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen.